Et allez, on est de retour. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette énième, ça commence à faire long maintenant. Je pensais que j'en aurais pour moins longtemps que ça. Hein. Sur cette huitième partie, si je me trompe pas, de The Last Guardian. Et qu'est-ce que je fais là? Attends, il y a la caméra qui me fait n'importe quoi, je ne sais pas ce qui se passe. Donc allez, je remets mon... Oui, parce que comme ça vous pourrez constater mon désarroi en voyant l'image que j'avais. Bah, là ça bougeait tout seul, il y avait Kiki qui faisait n'importe quoi. Kiki, mon fidèle colosse qui revient de loin, hein, mine de rien. Voilà, dernière fois, j'ai bien cru qu'on allait le perdre. Heureusement c'est un battant et on va dire que je l'ai bien traité. Voilà. Bon, mais oui, mais j'ai pas eu le temps de voir que c'était en bas moi. Il m'a ramené, en fait, il m'a ramené, je voulais pas venir là, j'étais en bas. Ah oui, non, mais en bas, oui, c'est rien, en fait, on a déjà été. Il m'a ramené, il m'a pris par le callback, il m'a soulevé, il m'a mis sur lui, et puis il m'a ramené ici, alors que moi, j'avais pas forcément envie. Il a fait ça tout seul, sans même que je lui demande. Alors, vous connaissez la tradition, j'y tiens. Regardez ces grandes ailes qu'il a maintenant. Alors, je caresse. Non, mais non. Mais juste, tu caresses. Tu veux pas? Bon bah on peut pas. On peut pas parce que j'ai le bouclier. Ah oui, si, attends, je dois me débarrasser du bouclier, c'est ça. Ah là, là, je peux. Allez, vous avez vu? Je le caresse. Ah oui, c'est chiant, maintenant j'ai le bouclier. D'ailleurs, j'ai regardé donc hier... j'ai regardé... ma propre rediff, voilà, parce que je m'aime bien. Et... et j'ai remarqué qu'effectivement, il a... acquéri ses longues ailes au moment où il a volé, au moment où il en a besoin, où il en a eu besoin, pardon. Et que juste avant, il avait des toutes petites ailes, vraiment, vraiment minuscules. Oh, j'avais pas vu ça. Attends, mais attends, on vient de te lancer ça. Putain, merde. Ah, mais ils en lancent ça. Attends, attends, attends. Je peux pas faire un truc pour toi là. Oh, attends, j'ai une idée. Eh, mais j'ai un bouclier de là-haut. Attends, mais j'ai un bouclier là maintenant. Donc, normalement. Attends, attends, hop. Vas-y. T'attaques ça là. Bouh. Oh là 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 là. Eh ouais, putain, mon tricot s'est transformé en Metal Gear. Ah, magnifique. It's a Metal Gear. C'est pas un tank bipède le mien, hein. C'est un tank quadripède. C'est encore mieux. Voilà, puis il y a des plumes, ça tient chaud. Pourquoi tricot et noir? J'ai loupé quoi? Ah, je suis donc pas le seul à trouver qu'il y a une petite différence de couleur. Bah, tricot a juste, on va dire, c'est juste soigné, on va dire. Voilà, c'est ça. Donc il a acquéri des grandes ailes. Par contre, non, je pense que... Alors, je crois que c'est une impression qu'on a tous. Mais je crois que sa couleur est la même. Mais comme ses ailes sont plus grandes, plus longues... Et qu'elles sont noires, on ne voit que ça. Et ça choque. Et du coup, t'as l'impression qu'il y a un changement, tu le vois plus foncé. Mais je pense vraiment que la couleur est la même. Là, le changement qu'on peut apercevoir, c'est la longueur de ses cornes, déjà. Et je sais pas si le statut social dans cette espèce-là se fait avec la longueur des cornes, mais alors le mien. Pouh! Allez, et je vais lui demander de défoncer ce truc là-bas. Et puis effectivement, oui, il a volé pour nous sauver tous les deux. Il a dû servir de ses ailes, qui étaient visiblement qui ont été détruites par la foudre. Allez, vas-y, fonce. Et là, ça commence à aller mieux du côté de ses ailes. Oh oui, je sais, je pourrais utiliser le bouclier directement pour. Qu'est-ce que tu fais? Je vais pas avoir le choix. J'ai pas envie d'utiliser ce bouclier parce que j'ai l'impression de l'asservir, mon pauvre tricot. Et j'ai pas envie. Bon bah, si j'ai pas le choix, hein. Alors, hop. Vas-y, détruis-moi ça. Bouclier que j'ai récupéré dans son bidou. Oh putain, ah oui, mais carrément. Ah mais il jette des missiles, quoi, maintenant. GG, petite caresse. Ouais, d'accord, ouais, jette des missiles, quoi.
Ouais, j'ai récupéré ce bouclier dans son estomac, il l'a vomi. Il l'a vomi parce qu'il m'a avalé dès le début du jeu quasiment. Et c'est à ce moment-là qu'il avait avalé le bouclier avec moi. Donc voilà. Il a deux cornes comme Klex, c'est pas gentil pour Megan. Allez, fonce s'il te plaît. Ça y est, cette fois-ci il veut bien. Regarde, voilà, maintenant tu vois, il se sert vraiment plus de ses ailes. Et il est normalement plus capable de voler. Oula. Ah, par contre, je... Oui. Attends, je descends, je vois pas ce qui se passe. Je vois pas ce qui se passe. Je descends, laisse-moi descendre. Alors, je veux juste regarder. Eh, j'ai trouvé un tonneau là, pas loin. Épisode hier qui était impressionnant. Hein. Cette partie était vraiment, vraiment cool. Puisque bah, on a pu voir un affrontement entre les deux animaux. Les deux tricots. Et, comme je disais, je pensais qu'il allait mourir. Oh non, me dites pas que ce que je vois. Que je vois ce que ça là qui est devant moi. Oh non, ça c'est pas bon. Il va encore me becter, mais regardez, il a pas envie de descendre, t'as l'impression quoi. Ah, il réagit bizarrement. Bah, attends, peut-être que si je lui fais une petite caresse maintenant, il va pas descendre. Genre, hey, t'as vu? Je t'aime. Tu me manges pas, hein, s'il te plaît. On va voir comment il va réagir, mais. Normalement, déjà il a des yeux rouges, c'est pas bon. Attends! Ah merde, j'aurais pu avoir. Ah voilà, ça recommence. Je peux avoir un truc, une idée. De nouveau. Ah non, il réagit pas. Alors moi je me disais, je pouvais peut-être le faire détruire. Genre en le visant. Vas-y. Non, il veut pas. Il réagit pas comme d'habitude. Il veut. Oh oui. Ah ouais. Est-ce que c'était quelque chose que je pouvais faire tout le temps, vous pensez? Et qu'en fait, ça veut dire que j'aurais pu ne pas me faire manger. Est-ce qu'il y a plusieurs fins dans ce jeu ou pas? Allez, il réclame un petit câlin. On va lui donner. Parce que oui, la première fois, quand il m'a mangé. J'avais donc le bouclier sur moi. Là, à ce moment-là, j'aurais très bien pu détruire ça, je pense. J'y ai pas pensé, parce que bah, je savais pas qu'il allait me bouffer en même temps. La seconde fois qu'il m'a mangé, j'avais plus le bouclier, donc je sais pas. Là, par contre, est-ce que c'était obligatoire? Je sais pas du tout. Alors, on arrive où, là? On arrive où? Espèce de tour, là. Oh, putain, il y a des yeux. Mais les yeux, je crois qu'ils lui font plus peur, maintenant, enfin... Maintenant, en tout cas, il a osé braver sa peur la dernière fois, et il a osé détruire les yeux lui-même d'un bon coup de patte. Est-ce qu'il va vouloir retenter l'exploit ou pas? Alors, qu'est-ce que tu essayes de faire? Ah, il veut monter là-haut, non? Oui. Tu veux que j'y aille? Qu'est-ce que tu veux que je fasse là-haut? D'autant plus qu'il pourrait grimper ici sans problème, non? T'es sûr que tu veux pas venir là? Ouais, il n'y a pas grand chose pour moi cet endroit-là. C'est ça là-haut. Mais il n'y a même pas un tonneau, il n'y a pas un truc à becter. Qu'est-ce que. Ah, attends. C'est possible que. Est-ce que c'est possible que. Ah, il est venu avec moi. Non, je peux pas détruire ça. Hein. Bon, je continue ce que. Non, ça doit pas être destructible ça.
Non, effectivement. Voilà. Quand j'ai vu qu'il voulait pas grimper ici, je me suis dit qu'il y avait peut-être une possibilité de ce type-là envisager. Bon, il est évident que non. Donc du coup, maintenant, il va où? Allez, petite caresse. Ah, il a l'air de vouloir aller au-dessus maintenant. Je vois pas trop ce qui se passe. Il y a l'arbre qui me gêne. Hop. Oh, bah oui, bah c'est bien mieux quand il saute. Ouais, je pense que là, il va pouvoir nous emmener plus loin, hein, maintenant qu'il a récupéré l'usage de ses ailes. Ça y est, certainement que ça lui posera plus trop de problèmes de faire de longues distances en volant. Alors, je sais pas où on est. Espèce de pont cassé en bas. Là, ah, une statue de Tricot. Je sais pas, je vais lui demander. Je vais lui demander de bouger. Je sais pas trop. Je sais pas trop ce qu'il faut faire ici. Hein. Le jeu, quelque part, est un peu linéaire, parce que finalement, il n'y a toujours qu'un itinéraire possible. Et il faut laisser assez souvent Tricot décider. Lui, il sait où faut aller. Ah, mais attends. Ah, ici ? Ah, bah, il y a un truc là, mais je sais pas ce que c'est. Ah non, mais c'est peut-être là d'où je... Ah oui, c'est peut-être là d'où je sors, en fait. Ouais, ça doit être ça. Tiens, et un yeux-yeux. On va voir si ça lui fait encore peur, ça, tiens. Hop, 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 doucement. Doucement, 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 tu vas me faire tomber. Allez, fonce. De toute façon, je crois qu'il n'y a pas de choix. Ah, si. Eh oui, bien sûr que je peux. Évidemment, regardez. Hop. Missile. Missile à tête chercheuse de la queue. C'est un Metal Gear mon truc maintenant. Une arme de destruction massive. Voilà. Et comme ça c'est réglé, il n'y en a plus. Et moi les yeux, je leur fais la peau. Ah non mais attends, mais c'est pas. Non mais. Ah j'aurais voulu détruire les autres yeux qui étaient là-haut, mais. Donc, je peux. Alors, je reste sur ton dos. Continue. Non, en fait, je vais pas rester sur ton dos parce que t'es trop lent. Je vais continuer. Ah. Et ben là, regardez, pareil. C'est dommage, c'est un peu lent à se déclencher. Allez, je vais essayer de faire une pupille aux yeux. Allez, aux yeux, voilà, poc. Ouais, c'est un jeu dans le jeu en fait. C'est quand tu te fais chier que tu dois attendre que l'autre attaque. Regardez, ouais, je le mets bien au centre. Oh là là, mais la caméra, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vois plus trop l'action. Bon, je visiblement, je suis dessus. Ah, GG. Il est beau, Tricot, il est beau. Il a tout compris. Regardez, il y a juste les supports qui flottent. Oh, il y en a un autre derrière. Ah, ah. Mais arrête. Attends. Non, je peux pas l'avoir là-bas. Lui, là. Est-ce que je peux avoir cet œil-là? Ouais, bon. On va... Non, c'est pas grave. Je vais continuer. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est ça... Ah bah oui, c'est le bout de sa queue. C'est vrai que c'est un lance-missile. Il y a des sortes de... De plateforme qui pourrait grimper là-dessus, là où les plateformes qui suspendaient les yeux-yeux là. Est-ce que tu peux éventuellement grimper dessus? Non, non, celle-ci là. Stop, stop. Ah, bah si tu peux monter sur celle-ci, ouais, je préfère. Elle est plus haute. Vas-y. Ah, c'est ça. Ah, j'ai l'impression que c'est ça parce qu'il regarde. Allez, attendez. Petite caresse? Non. Petite caresse, j'ai dit. Non, non, petite caresse, bordel. Débarrasse-toi de ton truc. Voilà. Ouh, oui, mignon. Oh là là, il est content. Bon, maintenant, s'il te plaît. Attends, j'arrive pas à voir. C'est vrai que des fois, c'est pas évident.
Allez, là-bas. Je veux que tu fonces. Tiens, je vais essayer de lui demander de sauter. Ça, des fois, ça marche bien comme ordre. Ah! Ben voilà. Ouais, donc, c'est bien ça. Bon, ben là, j'ai rien à faire. Normalement, de lui-même, il comprend ce qu'il faut faire. Là, j'aurais dû détruire le truc, mais je m'y suis pris différemment. Hop là, très bien. Oh, l'image est sublime par contre ici. Il y a le soleil qui vient sur les plumes de tricot. C'est super joli ce qu'on voit. Surtout quand tout est en mouvement comme ça. Alors ouais, mais... Vous croyez que je peux aller là-bas? Putain, je vais pas mourir moi si j'essaye de sauter là. Surtout qu'il y a... Il y a Tricot qui me gêne, il coince la caméra contre lui alors. Nyeh. C'est bon, c'est parfait. Allez, nyeh. Je l'ai dit, hein, j'aime pas trop les fast plateformes dans ce jeu, je suis pas fan. Allez. Oui. Ah mais il va falloir ouvrir la porte de l'intérieur, j'imagine. C'est ça. Et puis de là, avec Tricot, on va aller... ah bah là-haut. Regardez, il y a encore des denoïs à détruire. C'est ça. Allez, hop, on active ce petit truc. On doit quand même commencer à approcher de la fin. Allez, mon loulou, viens. Bah, tu viens ou pas? Je vais peut-être pointer du doigt la direction où il doit aller, non? Ça marche, ça, ou pas? Ça marche. Qu'est-ce que tu essayes de faire? Non, mais avance et je vais te faire détruire les yeux. Oh, d'accord, il a pris son élan. Oh, punaise. Ah, du coup, on n'a plus le temps de détruire les yeux. C'est bon, tu vas pouvoir grimper là. Ah, c'est nickel. C'est moi qui vais devoir me coltiner l'ouverture de la porte, c'est ça? Ah, non. Oui, bah, oui, c'est ça, mais. Je pensais que j'allais devoir faire le tour de la... Pour l'ouvrir de l'autre côté, mais bon... C'était médisant. Alors, et maintenant on a quoi? Ah, et ben on retrouve nos chères plateformes. On prend de la hauteur. Alors, viens là, mon loulou, je vais te demander d'aller là-bas. Tu vois ça, là. Tu sautes. Voilà, et je te caresse aussi. Toujours, toujours. Je suis moins bloqué, hein, depuis que je le caresse en vrai. Hein. Ça paraît con, mais il faut le caresser. Je me prends dans ton oreille. Là-bas. Saute. Là, s'il te plaît. Bah voilà, à force de le caresser, j'en ai fait un enfant pourri gâté, il veut plus m'obéir, quoi. Tu te rebelles? Allez, vas-y. Ouh, attends, je reprends mon bouclier, parce que là, c'est bon, il a sauté, il a tout compris. Regardez. Ah, cette élégance, ce saut. Ouh, cette fluidité dans le mouvement, c'est magnifique. Alors, ouais, t'inquiète pas, je sais que le lieu est un peu gênant, mais il n'y paraîtra plus dans 2 secondes, hein. Voilà. Ça, c'est fait. Ah, si tu peux sauter là-haut. Hop. Et ben, on va être au... On va être... Attends. Ah non, on va pas être au coin le plus élevé. Mon
s'en approche. Qu'ils y arrivent. Oh putain, j'avais pas vu. Attends. Ok, attends, j'ai compris. Je sais ce qu'il faut faire. Prends ton bouclier, gamin. Hey, regardez les petits balcons là-bas. Il m'a fait tomber, putain. Ils sont où? Ah. Mais arrête de me faire tomber. Fais tomber avec, avec je sais pas quoi, avec son aile peut-être, ou sa queue, tiens. Surtout c'est en essayant de donner un coup de queue. Attends, je vais essayer de descendre. Oui, bah c'est toi qui me fais tomber, hein. Je fais ce que je peux. Voilà. Tiens, je vais aller sur sa tête en fait. Alors allez là. Allez. Donc, pouc, vas-y. Là. Mais arrête Je peux rien faire. Je veux que tu détruises ça là-bas. Voilà, parfait. Regardez ce plan de badass. Ah, si tu me fais tomber, c'est la mort, hein. Je suis tellement proche du précipice, là. Voilà. Tu les détruis ou pas? Ça a l'air bon. Bon. Ah, t'es content? Tu as arrêté de gueuler, maintenant? C'est bon, il est content. Il a tué des gens, il est content. Il est mignon. Ok. Eh ben, fonce. Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, c'est vrai, il prend de l'élan. Ah, c'est un peu loin là quand même. Hein. Pour un truc qui vient juste de recouvrer l'usage de ses ailes. Allez, c'est bien, vas-y, c'est bien. Crampe-toi. Allez, allez, allez. Je te prépare. Oh. Ouf. Ah, par contre, tu vises comme une merde. C'est pas grave. N'oublions pas qu'il est convalescent. Il est passé tout droit, pas loin de la mort. Là, possible que ses yeux aient été touchés, que maintenant, là, il a une vision bizarre, qu'il ne voit plus tout à fait droit. Ou alors, c'est au moment où j'ai lancé les tonneaux, je lui ai lancé sur la tête et il n'a plus tout à fait la bonne image. Alors, Trico, c'est bon? On y va? Allez, vas-y. Je te saute dessus. Et on continue. Allez, saute! Oui, là-bas. Ça, c'est tellement casse-couille, quoi. Le truc qui veut pas faire ce que tu veux. Alors, on a quoi, là? Ah, tu vois que tu peux sortir! Mais bon, ça va, je suis patient, je l'ai attendu 10 ans. Hein, Trico? Donc maintenant, l'attendre pour qu'il puisse se mouvoir à l'intérieur d'un bâtiment ou à l'extérieur, ça va. L'habitude. Allez, vas-y, mec. Ouvre tes ailes. Non? Allez. Allez, saute! Va là-bas. Mais regarde pas la caméra comme ça! Avec tes gros yeux de vache. Ah, très bien! Oui, il a compris. Oui, ça c'est le regard du Trico qui a compris. Ah, ça se voit. Alors regarde du Trico qui a compris, c'est une petite étincelle dans ses yeux, c'est... Bon. Alors par contre, c'est pas hyper intéressant comme... comme putain de merde, comme phase. Je ne voudrais pas dire, mais c'est légèrement chiant en fait. Attends, mais je vois... Ah, attends, j'arrive sur ta tête. Ah, vas-y. J'envoie pas des pieux à mon Trico, oh. J'ai vu plus intéressant que voilà passer de tour d'une tour à une autre tour. Allez, vas-y, c'est bon, c'est le moment. Touk. Alors lui, il se reconstituera jamais. Bon, combien il m'a envoyé de pieux dans mon Trico, ce petit con. Attends, vole pas. Ah. J'étais accroché au pieux, quoi. Ah! Mais arrête! J'essaie de te soigner, t'as compris? Ah, mais c'est bon, il a enlevé. Je crois. Il y en a un autre? Il n'a pas l'air, hein. Pourtant, il m'avait semblé qu'il en avait. Il en avait envoyé deux. Qu'est-ce qui t'arrive?
Qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore un truc à détruire? Moi, je veux bien. Hein. Ah, et là, il regarde. Non, attends, deux secondes. Petit tour d'inspection. Bonjour. Y aurait-il des tonneaux dans cette tour, s'il vous plaît? Oh. Ah, je peux y aller tout seul. Attends, j'arrive, mon titi. Je t'ai fait petite caresse sur les patounes. Oh là là, oui. Ah là, très bien. Et là, parce que... Mais attends, parce qu'il pouvait pas aller en face? Qu'est-ce qu'il y a en face? Je dis qu'il aurait pu, hein. Bah, ou alors, c'est peut-être pour aller chercher un tonneau, hein, ceci dit. On va aller voir ça tout de suite. On va prendre un petit peu de hauteur, encore une fois. Oh, oh. Ah, c'est bon. Chaque fois qu'il est question d'appuyer sur la touche chaude de ce jeu... Je suis tellement flippé. C'est bien. Allez. Hop. L'animation est bonne, hein, mine de rien. Alors, attention. Oh putain, non, j'aimerais pas mourir. Enfin, mourir. Ouais, je vais pas retomber maintenant. Alors, je suis arrivé où? Ah, bah non. Il y a un interrupteur. Ah, d'accord. Ah oui, et puis maintenant on peut atteindre l'endroit. Ah, c'est pas mal, dis-moi. Technologie, les armures, là. Est-ce que je peux... Parce que j'ai pas envie de me retaper l'autre chemin. Est-ce que je peux passer par là? Non, je peux pas, merde. Vous auriez pas pu faire un balcon? Que je puisse éviter de me retaper toute la descente hyper, hyper dangereuse, là. Alors, attends, je vais essayer de gruger quand même un petit peu. Genre, ici, là. Hop, et là... Ici, je saute sur mon petit tricot. Quel... Oh, c'est bien. À retirer le pieu. Ah, mais il y en a encore un. Voilà, pardon. Oui, oui, mais c'est mieux dehors que dedans, hein, comme on dit. Allez, on te caresse maintenant, c'est bien. Oh oui. Oh là là, il avait mal. Là, maintenant, tu vas en face, s'il te plaît. Du coup, t'as mérité une petite caresse. Parfait, parfait tout ça. Il y a encore des édifices qui sont au-dessus de moi. Hein. Alors que je suis déjà bah, pas mal haut, quoi. Est-ce qu'il attend un peu de bouffe? Donc, il a compris le truc. Hein. Il se couche. Ah non. C'est que oui, il avait compris le truc maintenant. Il se couche et je vais lui amener à bouffer. À domicile. Voilà, je peux plus bouger. Il y a que la bonté. Il y a d'amour que ça. Alors, est-ce que tu peux voler là-bas? En fait, cette tour blanche... C'est pas là où on avait déjà été? Eh oui. C'est là où il y avait la porte... la porte avec le lambeau... Enfin, le... Je sais pas, la pierre qui ressemblait un petit peu à celle qu'il y a sur le bouclier, là. D'où sont sortis une armée d'armures avec des boucliers et des yeux là qui m'avaient paralysé. Ah oui, il y a peut-être quelque chose. Effectivement. Un escalier. Hop. Les faces que j'aime pas. Putain! T'as les tours, c'est solide, hein. Par contre, les escaliers, ça manque de finition, ça. Oh, il y a un trou.
cool, je vois pas ce qui s'y passe. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je peux encore grimper? Ah oui, il y a un levier. Oula, il est coincé, voilà. Qu'est-ce que ça va faire, ça? Ça va peut-être lever le... Ouais, ok. Et ça va me permettre d'aller en face, probablement. Bon, c'est... Le jeu, jusque-là, était vraiment, vraiment... très sympa dans son rythme. Là c'est peut-être hop, Mursumuti, regardez, là c'est peut-être le moment le plus relou, parce que vraiment c'est pas passionnant. Bon, il y a quelques ennemis de temps en temps et tout, mais passer de tour en tour pour gagner un petit peu de hauteur, ouais. Allez, petite caresse. En fait, quand je le caresse, il se couche. On va lui faire plaisir, hein. Il a l'air d'aimer ça. Oh là là. Bon. Allez, c'est en face que ça se passe, mon gros. Et là, tout de suite, il m'a écouté. Hein? Qu'est-ce qui lui arrive? Il y a des yeux? Non, non, je sais pas, il avait de l'engouement, tout d'un coup, il s'est dit, allez, j'y vais! Il a commencé à courir, et en fait, bah non. Mais, je suis pas là où j'étais avant. Mais non, mais pourquoi t'essaies de redescendre? Non, non, mais... mais qu'est-ce que tu fais? Mais je... Mais t'es... Mais il est con! Mais quel intérêt? Merci. Très bien. Alors, mais c'est là où j'étais avant. Oui, il y a des escaliers là. Mais alors, quoi ça sert de refaire tout ce que je... Vraiment, je pige pas l'intérêt, hein. Ah, ah, j'ai compris. On lui a créé une piste d'atterrissage, c'est ça? Ouais, non, mais attends, décolle pas sans moi. Hein. Genre, il va devoir prendre de l'élan de malade. Il va devoir courir pour aller là où il faut aller, sur la tour blanche. Et il a besoin de courir pour prendre de l'élan. Je pense que c'est ça. Enfin, pas d'atterrissage, une piste de décollage, pardon. C'est plus logique. Allez, vas-y! Fonce! Ça y est, je crois que... C'est bon, la caméra change. Allez, il y a l'autorisation. Je vais déployer ses ailes. Hop là. Et c'est là qu'il tombe comme une merde. Je contrôle pas encore super bien son vol. Hein. La réception est un peu... Hein, mais ça va. Oh, l'armée. Ah putain, ils n'ont pas tué en plus. Vas-y, vas-y. Vas-y, tellement. Tu me les charcutes. Je peux pas trop bouger parce que... Ouais. J'aimerais bien t'aider avec mon petit bouclier là. Voilà. Malheureusement, c'est complexe. Bon, en plus, t'as pas besoin. Hein, t'as pas besoin. On va dire que t'as pas besoin. Tu t'en sors très bien sans mon aide. Ah non, il n'arrête pas là, il est encore debout lui. Ah bah voilà. Putain, coriace ce truc. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Oh, attends. Alors là, je peux faire quelque chose. Vas-y, là-bas, je veux que tu atteignes ce truc. T'inquiète pas, je ferai passer l'acupuncture après. J'espère qu'il n'y a pas des soldats à pattes
Oui, c'est ça, putain, il me semblait bien. J'entendais une armée, là. Vas-y, Rico, s'il te plaît. Un petit coup de patte. J'ai littéralement besoin d'un coup de patte. Ce qui est bien, c'est que sa queue fonctionne indépendamment de son corps. Voilà, ce qui fait que même si son cerveau est occupé à... avec les armures, là, et ben sa queue peut très bien m'aider, hein, au même moment. Système assez ouf, hein, finalement. Wipe là! Mais attends. Mais j'ai un pouvoir? Oh, je l'ai fait régresser. Ils deviennent tout petits. Bon, c'est quand tu veux, hein, le rayon laser. Bébé. Bien. Allez, allez, allez. Wow. Je t'admire. Alors. Eh ben, on dirait qu'on a terminé. Allez, on va t'enlever mon habitude. Putain, tu dois être... Ça doit être un vrai porc-épic le machin, il doit en avoir partout des pieux là. On va lui enlever ça. Bien que je sache pas réellement si ça sert à quelque chose. Disons que comme je me suis attaché à la bestiole, j'ai pas envie de le laisser avec ces machins là. Mais ça fait badass hein, c'est quand même badass. Avec ses pieux partout dans le corps. Mais voilà, ça fait mal quand même. Faut pas exagérer, allez. Voilà, une petite caresse. Oh oui, j'ai pas passé la douleur. T'as vu? Oh là là, il a tellement mal. Allez, viens. Ah, très bien. Et tu cours pas comme un taré, hein? S'il te plaît. Bah voilà. Oh putain! Je me suis retrouvé au bout de sa queue. Ah là là. Bon. Mais arrête de t'asseoir à chaque fois, c'est pile poil sur ton derche, comment tu veux que je fasse? Bon, t'as trouvé une entrée visiblement? Parce que moi je l'ai pas vu, hein. Je crois que bah, l'entrée c'est ce que j'avais vu moi, non? Parce que je suis déjà venu moi ici. Ah ouais, c'est ça. Peut-être poser le bouclier, je sais pas. Ah ouais, pour supporter le miroir. C'est bien ça. Ah, pardon. Ah mais je vais conserver mon bouclier. Je pensais que c'était l'occasion de m'en délester. Je t'enlève le dernier. Hein? Et après, je te ferai une caresse. Il en avait 5, quoi, le pauvre! J'espère que c'est le dernier. C'est peut-être pas le dernier, en fait. Il y en a peut-être un autre. Et que je le vois pas. Genre, il est sous les ailes et tout. C'est traître, ça, hein? Bon, non, ça a l'air d'aller. Allez, on va lui faire une caresse. Encore. Jamais que j'aime autant caresser de choses que ça, quoi. Même dans la vraie vie, mes chats n'ont pas autant de faveur. Pourtant, je suis toujours après eux. Bon. Allez, on y va. Ouais, on a l'impression quand même que là... On approche de la fin. Bon. Il y a encore... On dirait la salle où j'avais trouvé le bouclier la première fois. Est-ce que ce serait un ascenseur? Est-ce que je dois le faire rentrer avec moi? J'ai l'impression, hein. C'est grand en tout cas. Il a l'air un peu méfiant. Bon, et là du coup, je mets ce truc là-dedans.
Nataka Naraga, Ojia Rock, Yeta, Agari Botu. Bien. J'ai consulté donc une soluce. Si le but c'est de prendre la queue de tricot qui est là. Alors, on peut faire ça, de la placer dans un dans le trou qui est là. Ati tai oro. Et de passer en dessous. Oui, fallait trouver. Fallait trouver quand même. C'est... Oh, putain, non, saute pas là-dessus, voilà. C'est quand même un petit peu compliqué. Oh, j'ai failli y penser, mais je me suis dit que c'était pas possible, c'était trop... trop exagéré. Ouh là là, qu'est-ce que c'est ça? Mais j'aime pas trop cette salle. Pouc. Et... Et là? Et là c'est pareil, il y a des les armures sont bizarres ces armures. Faire le tour un peu. Ok. Ouais bon. Oh, il y a des casques de temps en temps. Oh là là, mais c'est une blague. Voilà. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais j'ai le fait parce que c'est drôle. Eh, elles sont bizarres ces armures, elles sont. Oui, elles sont pas pareilles. Allez, vas-y. Aïe 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 aïe, et je sais pas. Ouh, ouh. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Allez, y a... Non, 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 non. Je ne sais pas quoi faire. Il y a des choses, dévoile des choses derrière eux. Je suppose qu'il faut que je me serve de mon cher. Ah, putain. Mais non. Je suppose qu'il faut que je me serve de mon cher bouclier, c'est ça? En fait, ils vont briller mes tatouages, vous voyez. C'est pas grave, c'est pas grave. On va passer par là. Alors, je sais pas. Bah, vas-y. Ah, d'accord. Ah ouais. Ah, mais c'est très recherché. Allez. Tchouk. Ici, c'est pourquoi la caméra elle a fait ça. Et maintenant. Mais je viens d'y penser, mais oui. Mais oui, Tricot peut me les détruire. Mais parfaitement. J'y pensais pas, mais oui, c'est logique. Ah, oh, je suis très méfiant. Nickel. Vas-y, détruis-moi ça. Allez, encore un petit. Regarde. Et allez, exploser l'armure. Ah. Et c'est le win. Avec Tricot. Qu'est-ce que c'est? Et ben voilà. En fait, c'était très simple comme phase. C'est juste moi qui me suis compliqué la vie. Allez, pfff, alors là c'était le saut à pas rater. C'est parfait.
J'arrive plus à remonter. Tu veux pas te relever? C'est une sorte de bug là, j'arrive pas à remonter. Ah ça y est. C'est bon. C'est bon. Parfait. Ah, je sais pas. Le petit enfant trouve. Ah, je sais pas, une irrésistible envie de, d'aller jusqu'à son trou de balle à tricot. Ah, allez, c'est bon. Ah oh, oui, ça y est. Voilà, ça c'est fait. Alors. Tout. Voilà. Normalement, ça va plus poser problème. Parce que c'est pas facile, hein, le système de serrure de dans cet univers-là. Je vais galérer les mecs qui devaient ouvrir les portes le matin. Ouais, Gérard, je dois prendre l'ascenseur. Ah bah attends, on va prendre le bouclier. Faut activer les trucs en bas. N'oublie pas de prendre une corde aussi. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Oh. C'est cool, je suis désolé. Je grimpe. Voilà. Vous allez faire quoi là avec votre petite épée? Hein? Si quoi vous? Bim! J'ai qu'une chose à faire pendant ce temps, c'est d'essayer de retirer les clés. Encore faut-il l'atteindre. Je vais pas dire, mais dans Shadow of the Colossus, il y aurait eu un... Il y aurait eu un colosse comme ça, qui aurait bougé de la même manière... Personne n'aurait terminé le jeu, quoi. Il se défend bien, hein, le... Ah, tout à fait. Non, mais c'est bon, quoi, calme-toi. Ah d'accord, il y en a un là-haut. Je vais essayer de... Ah, attends. Oh là là. Oui, il y en a un là-haut, mais il y en a aussi un là. Alors voilà, pendant que lui il reste là, moi je vais essayer de contrôler le rayon laser. Bon. One shot. Ah, il y en a un autre dessus là par là. Hop là, bah c'est nickel. Il arrive bien en fait. Ok, c'est bon, parfait. Il en reste combien là? Eh, tu m'envoies toute une armée, moi je m'en fous. Hein. Mais non, mais récupère pas les... C'est la même touche pour interagir et se servir du rayon. Forcément, donc, c'est bon? C'est terminé? Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Y aurait-il une porte là-haut? Ah, attendez. Ouais. Ah, toi aussi, t'as vu? Lui aussi l'a vu. Attends, mais par contre, si t'es devant moi, je ne pourrais pas atteindre cette chose. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Joli. Fais attention à pas te faire coincer la queue. La modernisation, hein, vous avez vu. C'est fou, les ascenseurs, tout ça.
une salle avec plein d'armure. Ah, je peux grimper visiblement. Il y a une sorte de virus là. Ouais, je crois que lui peut grimper. Bah, comme ça, ici, ici, c'est bien. Là, il pourrait. Ouais, là, il peut faire quelque chose. Ah, mais carrément, il grimpe. Bon, bah, alors, je pense que là, tout ce que j'ai à faire, c'est d'attendre qu'il ait atteint le sommet. Il a pas fini de sauter, hein, parce que. Oh là, qu'est-ce que tu fais? Il peut pas redescendre quand même. Ah non, il peut passer par là. Une vague idée de ce qu'il faut faire. On a atteint le sommet de la tour blanche, hein, ce qui est le sommet de tout ici. Je crois que la fin va pas être loin. Je vais pas dire, mais la plateforme ici, elle est vachement petite. Ok, c'est bon. Je peux faire réagir ce truc. La boule devient de plus en plus petite. Il y a grippé à ça des fois. On dirait que je peux m'y agripper. Hop. Elle grandit plus là. Oh ! Si elle grandit, mais lentement en fait. C'est vrai, mais c'est le temps de. Putain. Je pense que je peux encore faire mieux. Parfait là, on est bien là. Hein, c'est encore mieux que tout à l'heure. Elle grandit petit à petit, puis elle essaie de me toucher quoi, la saloperie. Ah oui, d'accord, faut grimper là-dessus. Allez! Allez! Waouh! Je m'attendais tellement pas à voir ça dans The Last Guardian, quoi. Comme ça? Comme ça? Nickel! Alors j'arrive sur le ventilateur, mais quelque chose me dit que ça, il faut pas que je me mette dessus. Sinon ça va me faire vomir. Parce que je sais pas. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je peux me servir encore de mon bouclier magique? Pas trop, hein. Ah.
Ah mais en fait... Ah, j'aime pas trop cette salle parce qu'il y a des trucs verts là comme pour dire... Tricot va te... Oh ah non, ça y est, j'ai compris, je l'ai vu. Tricot va te contrôler et tout, enfin... va devenir méchant. Hop hop hop. Ah là, c'est bon. Allez, attention le manège. Bouah. Nickel. Stopper le truc. Hop hop hop, non. Alors là, ce qui serait bien, c'est que tu grimpes là-haut. Je ne te vois pas. Ah, ça y est. Ah ben voilà, nickel. Les tatouages étaient déjà sur le gamin, les épisodes d'avant. Alors, il en a plus qu'avant. Il en a depuis le début... Le début de l'aventure. Mais à chaque fois qu'il se fait manger, il en a... Oh putain. Ah d'accord, c'est ça. Il en a d'autres. Quelque chose de très mystérieux. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire? Je vais sauter, là, peut-être? Ouais. Ah, ah. Je vais juste sauter par là. Ça me paraît plus raisonnable. Hop! Oh là là! Et regardez ça! Eh putain, ouais, on est... On est vraiment à l'extérieur, quoi. Bah, je veux dire... À la... On voit le ciel! On est sorti de la bassine... Qu'il y avait autour de nous. Qu'est-ce qu'il fait? Peut-être qu'il est temps de se barrer. Je crois qu'on est tout vraiment à la toute fin là. Eh bien allez, je te laisse t'envoler. Voilà, une petite caresse avant. Vas-y. C'est ça. Bien, qu'est-ce qui vient de se passer? À la toute fin, il représente combien de temps de jeu jusqu'alors? Pas mal quand même, en sachant que là c'est le 8e live sur le jeu. Un live en moyenne une heure. Je fais des montages. On va dire que j'en ai eu quand même pour une bonne 10-12 d'heures. Bonsoir mon petit némé. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Oh putain, qu'est-ce que c'est ça? Oh là là. Donc en fait, cette machine les récompense pour
Enfin, en échange de gamins. C'est pour ça qu'ils vont bouffer les gamins. Je sais pas ce qui va se passer. Ils sont tellement nombreux, les autres tricots. Merde! Oh là là, il faut me bouclier là, non? Est-ce que je peux faire? Oh là là, il y a mon tricot qui est en train de se faire déchirer, quoi. Il est là-bas! Normalement, je peux tous les contrôler grâce à ça, non? M'agripper ici quand même, je peux bouger sur son dos. Essayer de regagner la tour là-bas. Ah non mais... Je peux pas m'y ramener hein. Je vais essayer de le caresser. Ah, ça marche pas. Attends, mais il a sur son masque, il a pas un truc, je peux pas lui enlever son masque. Et il a pas la fixation qu'il avait sur le masque du tricot qui me permettait de lui enlever. Par contre, ta caméra, s'il te plaît. Je vois même plus où je suis, quoi. Allez, parfait. Il m'a ramené ici. Ok, je récupère mon bouc. Il est où mon tricot? Il est toujours là. Je suis en train de lui arracher toutes les plumes. Oh là là. Oh putain! C'est faire quoi? C'est quoi le but? C'est de retourner là? Là où il y a la queue de tricot? Ah, je la vois. Je fais quoi? En étant ici, mais ouais, mais... Peut-être que je détruis ce truc là-haut. Putain, oui, exactement.
Non, putain, puis une cinématique qui sent enfin, un mouvement de cap. Il est passé où? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est où la queue? Merde, la queue est redescendue? Ah, attends, j'ai une idée. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Et ouais, on va détruire la bouboule. On pouvait pas le faire avant. Parce que Trico n'avait pas accès à cet endroit-là. Et en fait, c'est ce truc-là qui les contrôle, si je comprends bien. Comme il a dit, c'est le maître de la vallée. Allez, vas-y. Allez, vas-y, dégomme-moi ce truc. Et c'est le bim. Oh là là, j'aime pas les portes qui sont autour de moi, ce qui est pour insinuer que je vais être rejoint par des armures. Ah, il a été touché, il a été touché, nickel! Pardon, je dois lutter. Je dois lutter, c'est à moi de lutter. Non, c'est pas moi. Ouais, je fais réagir les trucs. Donc oui, je dois lutter, je dois lutter. Ah, ça y est. Le contrôle de la sphère n'est plus. Par contre, j'espère qu'il n'est pas trop tard pour Trico. Je sens le drame en fait. Je sens vraiment le drame. De toute façon, on m'a spoilé, on m'a dit que j'allais chialer à la fin. Oh, c'est bon, il a encore en vie. À l'état, invisiblement.
Je sais pas si ça compte, mais c'est moi qui m'agite là pour qu'il le laisse tranquille en fait. Allez, courage! Agoji, Ajukui, Atisneka Tagi. Ouais. C'est une fin moins triste encore que je l'aurais cru. Je me souviens, quand le jeu avait été annoncé, il y avait même des BD où il disait à la fin, le gamin meurt ou la bête meurt. C'est mieux comme ça d'ailleurs. Voilà, ça aurait été de façon un petit peu prévisible du coup que l'un des deux meurt. C'est peut-être, ouais, c'est peut-être la fin parfaite. Je vois pas comment ça aurait pu se terminer autrement, mais c'est vrai que c'est un crève-cœur de voir tout ce que la créature subit pour sauver l'enfant finalement, parce qu'elle est, elle agit pas trop par égoïsme. On voit que là où elle a des soubresauts, c'est quand le gamin est en danger en fait, et pas quand c'est dans son propre intérêt, quand il s'agit de sa survie, et je trouve ça beau. Donc elle a accompli sa mission, on va dire, jusqu'au bout. Surtout que bon, c'est dur de voir que toutes ceux qui ressemblent à Tricot, finalement ne sont pas responsables. Ils étaient tous contrôlés par le seigneur de la vallée, comme il l'a dit, je sais pas quoi. Et donc, ils n'étaient pas mauvais. On l'a vu d'ailleurs. À la fin, quand il s'échappait, on en voyait un qui essayait de regrimper. Ils n'étaient pas du tout, ils sont pas du tout responsables. Vraiment un super jeu. Je vois pas comment on peut être déçu de ça. Je vois pas comment il est possible de ne pas ressentir quelque chose quand on a vu, quand on a vécu même. Quelque chose comme ça. C'est vraiment beau. C'est agréable à jouer, c'est agréable à voir.
C'est pas agréable de se faire écouter, mais ça, c'est fait exprès. Trico n'en fait qu'à son humeur, et c'est ça qui fait que le jeu est bien. Mais le level design est, en plus d'être beau, il est plutôt ingénieux. Je suis vraiment ravi. À la limite, peut-être que c'est quelque chose maintenant que je vais pouvoir faire, en regardant sur les forums, des choses comme ça. J'aimerais savoir si des gens ont réussi à déceler des liens entre The Last Guardian et les deux jeux de Fumito Ueda, de la team Ico, donc Ico et Shadow of the Colossus. J'aimerais savoir si ils ont réussi à trouver des liens comme ils en avaient trouvé dans The Shadow of the Colossus, voilà, qu'il y avait des liens avec Ico. Ah, là, j'ai trouvé des lézards. Mais les lézards, ça ne veut pas dire grand-chose, même, en fait. C'est quoi que c'est des... On a un vieux filtre... Ou alors c'est des plumes qui volent. Non, il y a un vieux filtre photo, là, sur les images. Mais oui, voilà, je pense que ça fait partie, c'est sûr, de toute façon, ça fait partie des jeux qui m'auront le plus fait voyager, le plus bouleversé. Des jeux tout court. Et je pense que, au niveau de la PS4, moi, personnellement, là, c'est mon petit gothi. C'est même pas mon gothi pour moi, c'est le jeu, pour le moment, de la génération, hein. Et pourtant, j'en ai vu des très bons, je suis fan de Bloodborne, des choses comme ça. Mais on peut pas rester insensible face à des choses comme ça. Donc voilà, très 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 beau jeu, je suis fier, je suis content de l'avoir terminé, je suis très content de l'avoir fait avec vous. J'espère que vous aussi, ça vous a plu, que j'ai pas trop fait n'importe quoi. Mais voilà. J'ai l'impression d'avoir vu Limbo ou Inside, je suis un peu déçu. Comment ça, aimé? Déçu, déçu, tu veux dire, sur la fin qui est pas joyeuse? Mais en même temps, comme je disais, moi je m'attendais à pire. Je m'attendais vraiment, vraiment à pire. Elle est plus joyeuse que je l'aurais imaginé quand tout le monde me disait, tu vas chialer. Je savais que le narrateur ne pouvait pas mourir. Bah oui, le narrateur, c'est l'enfant. Donc je savais que l'enfant pouvait pas mourir. Mais du coup, ça pouvait être la créature, et voilà. Voir la créature mourir aurait été difficile. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait le disque, hein, c'est pour ceux qui le savent. Dans Shenmue, il y a les disques verts, là, qui sont importants. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un diorama, c'est quoi? Je peux faire bouger ça? Non. J'attends des fois qu'il se passe quelque chose à la fin de la cinématique. Ah, c'est la statue de... C'est une statue de Trico, je crois. Ah non, c'est un couvercle, la merde! Et c'est le truc qu'on voyait au tout début du jeu. Que je prenais pour une plaque d'égout. Ah! En fait, il s'agissait bien évidemment du bouclier. Et oui.
Ah d'accord, ok. Je m'attendais à revoir Tricot en fait. Et visiblement non. Ça montre que que malgré tout je sais pas, des espèces de griffons. Je ne sais pas trop ce que c'est que ces trucs-là ont réussi à prospérer en ces lieux, puisqu'il y en avait deux. Mais on ne sait pas ce qu'il advient de Tricot. Hein. Peut-être que, comme le dit le villageois, il n'en a pas pour longtemps, qu'il meurt tout de suite après. Bref. Ou alors il s'agit directement peut-être de ses enfants, pourquoi pas. Ça aurait été beau. Eh bien écoutez, c'est terminé. C'était bien beau. C'était une expérience comme rarement on peut en vivre. Et rarement on peut en vivre dans le jeu vidéo. Et je suis content de l'avoir fait. Je suis content de l'avoir fait avec vous. Donc je vous fais à tous des gros bisous. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour d'autres expériences incroyables très bientôt. Et voilà. Très bientôt. Merci d'être passé.